Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne réussissent pas parce qu'ils abandonnent. Ils abandonnent avant d'y arriver, tout simplement. Je connais personne qui est déter et qui n'a jamais rien lâché, qui n'a pas réussi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi. Mets un j'aime en avance parce que dans tous les cas, c'est satisfait ou remboursé. Si tu n'aimes pas, tu enlèves ton j'aime à la fin de la vidéo. Voilà. Mais bon, de toute façon, je sais que tu vas aimer et toi-même, tu le sais au fond de toi. Donc, je m'appelle Jonathan. Si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterre, passe à l'action, créer ta vie sur mesure pour pouvoir devenir libre. Hein, j'ai envie de te dire, par les temps qui courent, il vaut mieux que tu aies un business en ligne. Je dis ça, je dis rien. Donc, tu as deux choses que tu peux faire. Tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 40 semaines. Si tu n'as pas fait 20 40 une semaine, comme j'aime bien dire, ça me paraît assez pertinent de jeter un coup d'œil quand même. Hein, surtout, c'est gratuit, c'est offert. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est d'accéder à ma formation, ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing, où je te montre comment faire des 5K au minimum par mois. Et l'information qui t'intéresse la plus importante, c'est qu'elle est 100% financée. Donc, tu n'auras pas à sortir un seul euro de ta poche. Tu n'as jamais sorti ta carte bleue. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu verras, je te donne toutes les infos et tu pourras prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers qui va faire le dossier pour toi de A à Z. Tu peux aussi prendre un rendez-vous si jamais tu as juste des questions par rapport à OCPF. Est-ce que tu en as? Comment s'inscrire? Créer un compte si jamais tu n'as pas encore fait, etc. Ok, on t'explique tout ça et on t'accompagne de A à Z et après, à la fin, on te donnera les accès à Pirate Marketing et après, il faudra charbonner, évidemment, il n'y a pas de secret. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, donc dans le quartier des Pyramides précisément, arrêtez de chercher des excuses les gars. J'étais salarié aussi avant et ça fait bientôt plus de 3 ans que je voyage. Juste arrêtez de trouver des excuses les gars, il faut juste passer à l'action, ok? Et passons directement au sujet de la vidéo. Je n'aime pas avoir de boss. Je pense que si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que toi aussi, tu n'aimes pas avoir de boss. Et je peux te dire qu'en fait, moi, j'ai pris grave du temps avant de me rendre compte que je n'aimais pas avoir de boss. En fait, je ne savais pas. C'est juste que je ne me sentais pas bien dans chaque taf que je faisais. Parce que pour te dire, en gros, j'ai fait McDonald's. Ok, McDonald's, petite anecdote là, pendant que je te parle que je travaille au McDonald's. Déjà, premier truc, j'aime pas qu'on me donne des ordres, tu vois. Et je me rappelle, genre, parce que moi, j'étais dans le bas de l'échelon, hein, je sais plus c'est comment ça s'appelle. Et il y a une meuf, tu sais, les meufs qui ont les chemises roses, je sais pas si ça existe toujours. Mais les meufs, c'est pas une... j'oublie comment ça s'appelle, le truc juste au-dessus, là, ceux qui ont les chemises bleues, là. Bon, si jamais tu te rappelles, dis-moi en commentaire ceux qui ont les chemises bleues, qui sont juste au-dessus, tu vois. Ils sont pas managers, tu vois, mais ils sont juste au-dessus, genre, c'est un petit peu les petits chefs, tu vois. Et elle... Genre, elle a le truc rose. Donc ça, le truc rose, c'est les meufs qui s'occupent des enfants et tout, je sais pas quoi. Et genre, j'avais, je sais pas pourquoi, il y avait de la merde sur le truc du drive. Et la meuf, elle me dit, ouais, vas-y, va nettoyer le truc. Je lui dis, quoi? Je lui dis, moi, je veux pas nettoyer. Je lui dis, t'es malade ou quoi? En plus, elle faisait sa malade. Si, tu vas nettoyer, comment ça? Moi, je te dis, tu vas nettoyer, nanana. J'ai dit, moi, je vais jamais nettoyer. Jamais je sors là-bas et tout. Tu vois, ça faisait peut-être 6-7 mois que je travaillais au McDonald's. La meuf, elle me dit ça. J'ai dit, jamais d'avis, je vais. T'es malade ou quoi, toi? Et pour te dire, j'allais tellement loin pour te dire le truc que non, moi, ça passe pas dans mon cerveau. J'ai dit, après le manager, ouais, après le c'est même pas le manager, c'est le directeur. Ouais, c'est le directeur. Elle m'a dit, ouais, Jonathan, qu'est-ce qu'il y a, nani? Pourquoi tu n'as rien, nana? J'ai dit, hey, on va pas discuter. Si j'ai un problème, nani, ben vas-y, je démissionne. Bon, j'avoue, j'avais déjà prévu de démissionner de toute façon, dans tous les cas. Mais alors, quand en plus j'ai vu ça, là, nani, parce que je commençais à rester, ça fait déjà au moins 9 mois que je travaillais au McDonald's, j'ai dit à un moment donné, Joe, il va falloir trouver un vrai travail. On ne va pas rester tout le temps au McDonald's. Bref, et donc du coup, le gars, il m'avait dit, ouais, Joe, nani, nana, pourquoi tu fais ça? Vas-y, il faut nettoyer le truc. J'ai dit, comme, je nettoie pas la merde sur le truc, la route du drive, mais c'est, wow, malade ou quoi, toi? Après, j'ai dit, genre, ouais, après, j'ai dit, vas-y, je démissionne. Bref, tout ça pour te dire que dans les ordres, les ordres et Jojo, j'aime pas trop. Même quand quelqu'un me dit, ouais, tiens, tu devrais faire ça. Comment tu me parles? Tu vois? Donc, pour ça, c'est pour te dire que je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans tous les tafs. J'ai fait McDonald's, après, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait EDF. Tu vois, même EDF, j'aime même pas. Quand il fallait faire genre, c'est quoi les trucs qu'ils aiment bien faire là, tous les 3 mois ou 4 mois, genre réunion, t'es avec le chef et te dit, bon alors, je vais te noter où est-ce que tu en es, est-ce que tu travailles bien et tout ça. C'était des trucs, ça m'énervait en fait.
J'ai jamais compris pourquoi, mais je me disais, non, mais Joe, t'exagères, c'est normal que quand même, voilà, le chef, il essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais ça m'énervait, ça m'énervait. Ça m'énerve que je dois te rendre des comptes, en fait, ça m'énerve, en fait. Après, pareil, quand j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait derrière? Chez les pompiers de Paris. Donc là, c'était militaire en plus, donc alors là, imagine, tu vois, enfin là, c'est. Mais par contre, c'est marrant parce que quand c'était militaire, ça m'énervait moins. Ça m'énervait moins. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de justice, ça veut dire que. Tu peux monter en grade. Bon, je sais pas ce qui se passait dans mon cerveau, mais ça passait un peu mieux. Ça passait un petit peu mieux, tu vois. Parce que quand t'es militaire, je pense que c'est parce que tu sais que genre, il faut que juste tu passes les examens et toi, tu peux monter en grade. Alors quand dans les autres tafs, on dirait que tu vas rester au même endroit tout le temps, tu vois. Enfin, t'as pas le choix. C'est pas genre, tu fais juste un concours et après, tu montes en grade, tu vois. Donc peut-être c'est pour ça que ça m'énervait moins. Bref, après, j'ai fait infirmier pareil. Enfin, les trucs, je dois rendre des comptes, tout ça. Donc je me suis vite rendu compte que ça m'intéressait pas en fait d'avoir un boss, mais je n'arrivais pas à le dire en fait. Enfin, je comprenais pas en fait dans mon cerveau que c'était en fait tu dois devenir entrepreneur. Tu vois, que t'es pas fait pour ça en fait, tout simplement. Tu vois. Et après, quand j'ai compris ça, en plus par hasard, si tu connais un peu mon histoire, parce que j'ai commencé à bien signer, c'est un peu par hasard, c'est quand j'ai commencé à goûter à ça, j'ai dit mais ça déchire ça, de pas avoir de boss et d'être ton propre boss, etc. Ça fait plaisir ou pas? Je sais pas pourquoi j'ai dit etc. Je sais pas. Mais voilà, comme tu le sais, c'est chaud, faut taffer, ça demande de la persévérance. C'est pour ça que la plupart des gens, ils abandonnent en fait. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne réussissent pas parce qu'ils abandonnent. Ils abandonnent avant d'y arriver, tout simplement. Je connais personne qui est déter et qui n'a jamais rien lâché, qui n'a pas réussi. Même s'il n'est pas devenu millionnaire, mais il fait au moins 10K, 20K par mois. Enfin, je veux dire, il vit, il met en PLS tout le monde, déjà. Et du coup, je regardais la. Je sais pas si tu as regardé le truc sur Netflix avec Kanye West. Tonton, si tu l'as pas encore vu, le truc, son émission là, ou son show, en fait, c'est un sort de documentaire qu'il a fait depuis ses débuts. Ça veut dire vraiment depuis le début où il était beatmaker, tu vois. Donc ça remonte vraiment depuis le début. Et puis ça. Et tu vois vraiment les étapes, tu vois. Et tu vois comment il a galéré. Alors, il a fait plein de conneries. Ok, ça, il a agi un petit peu comme un bêta avec sa meuf, son ex, tout ça, na. Mais tonton, il faut mettre du respect sur cet homme quand même. Il faut mettre du respect sur cet homme parce que franchement, quand tu vois le documentaire, tu dis non, gars, c'était chaud, gars. Franchement, il s'est battu, mais vraiment, il s'est battu. Et là, le fait que ça soit filmé, on le voit, tu vois. Ça m'a rassuré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais en fait, tout le monde galère. Tout le monde galère en fait, c'est normal de galérer, que ça prenne du temps, que ça se passe pas comme ça devait se passer, comme tu voulais que ça se passe. Ce gars en fait, à un moment, en fait, il était beatmaker, tu vois, il a commencé comme beatmaker et en fait, mais il a toujours voulu rapper. Et quand il a voulu montrer aux gens qui voient, vas-y, j'ai envie de rapper, j'ai des projets, na, et écouter tout ça, na, les gens ils le calculaient pas, gars. Les gens ils le calculaient pas, donc en fait, il vendait beaucoup de beats pour le Rockefeller, tu vois, et genre. Et les gens ne le prenaient pas au sérieux, gars. Ils se disaient juste, c'est un bon beatmaker, il déchire. Il a fait plein de sons pour plein de gens, tu vois, qui déchirent. J'oublie les noms, donc je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais il a fait des sons pour Jay-Z, il avait fait des sons sur plein de gens qui ont cartonné avec ses sons, tu vois. Mais lui, dans sa tête, il a toujours voulu être un rappeur. Tu vois, il a toujours voulu être un rappeur et c'était même un de son plan en fait. Il s'est dit, vas-y, je commence le beatmaker et après, boum, je vais leur montrer que je peux rapper. Et personne ne calculait, les gens ne prenaient pas au sérieux. Le cofondateur de Rockefeller a dit, ouais, bientôt, t'inquiète pas, on va le signer, Kanye, on va le signer, tout ça, machin. Tout ça pour le garder sous le côté, genre, pour continuer à faire des beats pour Rockefeller, tu vois. Mais à aucun moment donné, il le prenait au sérieux, genre, il allait signer pour un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, le gars, il se bat, il va dans les locaux de Rockefeller, il rappe devant, je crois, c'est pas la secrétaire, mais c'est. Je sais plus c'est qui. Mais c'est une meuf en gros qui est dans l'administration, genre qui gère un peu une partie du. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait exactement, elle. J'oublie. C'est pas la secrétaire, mais c'est un truc administratif, tu vois, genre. Où elle gère un petit peu. Un peu le truc, une partie de Rockefeller, peut-être. J'oublie. Bref, de toute façon, faut que tu regardes. Et donc, il rappe devant la meuf, nanani, mais la musique, il rappe, nanana. Et la meuf, elle rigole, machin. Après, elle dit, vas-y, coupe la caméra, nanani. Mais franchement, c'est irrespectueux, gars. En fait, quand tu connais maintenant le Kanye West d'aujourd'hui, tu dis, putain, mais putain, les gars, putain, il ne le respectait pas du tout. C'était un truc de malade, gars. C'était vraiment, il ne le respectait pas, gars. Et à force de taf, de machin, de faire des trucs en solo, de son coin, nanana, à un moment donné, il arrive à signer sur Rockefeller. Bon, tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est bon, il a réussi à signer. Gars, pendant un an, il n'a ni touché d'argent et à aucun moment, ils ont ouvert un budget pour qu'il fasse son album.
Donc il avait signé, mais genre, il se passe rien en fait. Il continue toujours à le prendre pour un beatmaker, gars. Il continue toujours à le prendre pour un beatmaker malgré qu'il était signé chez eux. C'était un gars, c'est un truc de malade, gars. Après, il a fait lui-même sa vidéo, gars. Il a créé lui-même sa vidéo, il a fait lui-même un son. Et du coup, après la vidéo, elle a buzzé. Et ça, sans budget, sans rien. Et il était, gars, c'était chaud, gars. Et finalement, grâce à cette vidéo, ça a buzzé. Et donc, c'est passé un peu à la télé, etc. Et du coup, à ce moment-là, Rockefeller a ouvert un budget pour qu'il puisse sortir son album, son fameux album, qui a été 4 fois platine, tu vois. Et qui a tout déchiré, tu vois. Mais gars, c'était un truc de ouf, gars. C'était vraiment, il a galéré de ouf. Et je repense aussi à un passage où il a fait genre, il a fait un feat avec Jay-Z, tu vois. Et Jay-Z, il est arrivé, il dit, mais il est fort. Je pensais pas qu'il était bon comme ça, tu vois. Et genre, après, du coup, il a fait un feat avec Jay-Z, tu vois. Et Jay-Z, il a dit, moi, je m'habillais sur lui, mais pendant cette période-là, les gars, ils ouvraient pas un budget, toujours pas, pour qu'il puisse faire son premier album. Tu vois, même Pharrell, il est venu. Il a écouté parce que les gars, ils savent pas, ils le prennent pas au sérieux en fait. Pharrell, il vient et tout, il écoute son son, tout ça. Il dit, mais mec, je savais pas, gars. Il me dit, gars, je suis. Limite, ça faisait genre. En fait, il disait, gars, je savais pas. I didn't know. Il dit, je savais pas, mon gars. Je savais pas. Limite, excuse-moi, je savais pas. Il me dit, mais gars, t'es trop chaud. Tout le monde dit qu'il est trop chaud, mais gars. Il le signe pas, enfin ils ouvrent pas un budget pour qu'il puisse sortir son album. C'est un truc de malade, gars. Et il s'est battu, il a rien lâché, gars. Il y a des moments où il revenait en beat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et donc il refaisait des beats pour des gens. Après il essaye, gars, c'était chaud, gars. Mais tu vois, quand j'ai vu ça et vu comment j'ai vu la galérer, donc pour te donner un peu la fin de l'histoire, je crois qu'il a pris 2 ans, il a signé à Rockefeller 2 ans après il a sorti un album, gars. Truc de ouf. Il a sorti son album, son fameux album. À chaque fois, je mettais des pauses, je réécoutais les sons. Business Family, boum, je remettais les sons, tu vois, qui passaient, machin. Et quand j'ai vu ce documentaire, gars, donc c'est pour ça que je te courage à le faire, gars, ça m'a donné la patate, gars. J'ai dit, gars, je vais tout défoncer dans ma life, gars. On en a qu'une, gars, je vais tout défoncer dans ma life. Non, quand tu vois le gars, comment il a galéré, les gens ne le prenaient pas au sérieux. Il rêvait de faire un feat avec Jay-Z. Il a réussi à faire un feat avec Jay-Z. Tu vois, genre pour lui, c'était comme un demi-dieu, Jay-Z, gars. Alors qu'aujourd'hui, on dirait normal, ils ont fait un album en commun. Normal, aujourd'hui, les milliardaires. Enfin, c'est juste incroyable, gars. Quand tu vois les gens dans le documentaire qui ont disparu, lui, il est là et il est super puissant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, au passage, les gars, manquez pas de respect aux gens. Tu sais pas qui peut devenir qui, tu vois. Mais pour revenir à ce que je disais, moi, ça m'a inspiré de ouf. Je me suis dit, gars, je vais tout défoncer dans ma life, gars. En fait, tout est possible, gars. Tout est possible et il faut toujours croire en ses rêves. Il a jamais abandonné. Il y a trop de fois qu'il aurait pas abandonné, gars. Il aurait pu être juste un bon beatmaker et il aurait vécu tranquillement comme ça pendant tout le temps et ça aurait pu bien se passer, mais ça n'a jamais été son truc. Donc, c'est ça que j'ai noté aussi. Ce que j'ai noté, la puissance, c'est la vision, gars. En fait, qui il est aujourd'hui, gars? Ça fait 20 ans qu'il sait qu'il veut devenir cet homme-là. Ça, c'est incroyable, par contre. Ça, c'est vraiment une qualité. Si t'as pas de vision, tonton, tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui tu veux devenir. Tu sais même pas pourquoi tu te bats, en fait. Parce que là, du coup, lui, il sait pourquoi il se bat. Il sait pourquoi il galère. Il sait que même si Rockefeller, il veut pas le signer, il le laisse en galère et tout, il se débrouille. Il allait prendre une chorale dans une église, il a enregistré, boum, il a fait une vidéo, tu vois, pour pouvoir promouvoir sur le son qu'il voulait sortir. C'est un truc de malade. Il a créé lui-même son propre buzz pour qu'après, Rockefeller dise, bon, vas-y, ok, on ouvre un budget. Donc, première chose, vision. Ça veut dire qu'il a toujours su qu'il voulait être rappeur. Parce qu'à un moment donné, dans le documentaire, on voit qu'il rappe depuis tout petit, en fait. Il était super jeune, il rappait, mais vraiment petit. Quand je dis, je sais pas, je pense qu'il avait peut-être 13 ans, 14 ans, je sais pas. Donc, il a toujours rappé, en fait. Il a toujours voulu être dans la mode. Il a toujours dessiné, etc. Ça, c'est pas dans le documentaire, mais ça, parce que je l'ai lu ou quand j'ai vu un interview, il en parle, tu vois. Il a toujours fait des croquis, il s'est toujours intéressé à ce monde-là. Okay, il a décidé qu'il voulait être le meilleur rappeur, le mieux habillé. Okay, the best dressed rapper. Donc, je ne sais pas trop comment le traduire, mais en gros, c'est le rappeur le mieux habillé. Ouais, c'est ça. Le rappeur le mieux habillé. Donc, c'est toujours intéressé à ça, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que j'ai regardé dans sa biographie. Dès qu'il a sorti son album, qui est sorti en 2004, je crois, 2 ans ou 1 an après, il a voulu sortir une ligne de vêtements. Ça veut dire que tout s'enchaînait parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire dans la vie. Il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu genre un an de 6 mois, il n'y a pas de projet par rapport à ce que lui voulait faire. Tu vois. Donc la vision, genre,
super important parce qu'il est simplement devenu qui il voulait être. Donc si toi tu sais pas qui tu veux être, tu peux pas devenir. Comment tu fais pour devenir quelqu'un que tu sais même pas qui tu veux devenir? Enfin, on est perdu, tu vois. Tu vas nulle part en fait. Donc ça super important. Et ça, moi-même, je me suis remis à. J'ai retravaillé sur ma vision, qui vraiment je veux être, tu vois. C'est super important, tu vois. Deuxième chose que j'ai noté, c'est mettre son ego de côté. Parce que, gars, franchement, gars, moi, je pense que dans sa situation, par ego, gars, je pense que je sais pas, gars. J'aurais pas pu aller rapper comme ça dans les locaux de Rockefeller, repartir. T'inquiète, genre qu'on me prend pour un bouffon comme ça. Ah là, c'est. Ah, gars, c'est moi. Moi, c'est chaud, je peux pas ça. C'est chaud. Je viens, je m'humilie comme ça, et tu me prends pour un bouffon, je repars comme ça, ok, Après, tu vois des rappeurs, ils disent c'est pas mal ce que tu fais, après t'es juste content parce qu'on t'a dit que c'était pas mal. Ah non, gars, c'est chaud, gars. Donc vraiment, on a mis vraiment son ego complètement de côté, parce que voilà, il voulait absolument montrer qu'il pouvait, il voulait montrer ce qu'il faisait, il voulait promotionner son art en fait. Il y a plein de gens, gars, qui se moquaient de lui, gars. Enfin, pour. Je le vois pas, mais tu vois, quand je dis se moquer, c'est genre, pas genre, haha, il rigole, mais genre, il foutage de gueule, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est chaud, gars. C'est chaud, gars. Et même Jay-Z, quand on a vu qu'il était chaud, il a dit, ouais, je mets un billet sur lui, mais ça n'a pas permis quand même qu'il puisse faire l'ouverture d'un budget sur Rockefeller. Donc, sur le coup, c'est sûr que ça déchire, je m'imagine, à sa place. T'es un rappeur, machin, tu veux rapper, et que un gars qui est l'un des meilleurs rappeurs au monde, il te dit, ouais, t'es chaud. C'est sûr, déjà, ça fait juste plaisir. Mais du coup, ça n'a pas fait forcément avancer la machine. Donc, du coup, vraiment mettre son ego de côté dans son cadre à lui. Parce que nous, dans le business en ligne, je ne sais pas si. Ouais, il faut mettre son ego de côté aussi. Peut-être avoir peur. Il y en a peut-être qui ont peur de sortir la vidéo pour passer, genre, être ridicule, etc. Des fois, il faut juste avancer et puis. Et peut-être mettre son ego de côté, tu vois. Troisième chose aussi que j'ai noté, c'est. Il faut se préparer pour saisir les opportunités. C'est ce qu'on appelle la chance, en fait. OK? Les gens qui disent, ouais, oui, c'est vrai que dans le business. Ou dans la réussite, il y a être au bon endroit, au bon moment, dans le bon marché, etc. Avoir le bon timing. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas si jamais tu n'es pas prêt à saisir l'opportunité. La chance, c'est une opportunité, tu vois. Si jamais il n'avait pas travaillé depuis tout petit à son rap, même si tout le monde le trouvait ridicule ou personne ne le prenait au sérieux, il travaillait son rap. Le jour où il a eu l'opportunité de pouvoir, parce qu'il a forcé aussi pour pouvoir rencontrer Jay-Z, ça, je ne te l'ai pas dit, mais enfin, tu le verras dans le documentaire, mais c'est pas arrivé genre comme ça. Hey, Jay-Z, hein. Jay-Z le connaissait pas, il le connaissait, mais en tant que beatmaker, il ne le calculait pas, gars. Donc, il a réussi à gérer pour être dans le même studio en même temps que lui, il lui a montré. Mais si jamais tu n'es pas prêt, comment tu fais pour saisir une opportunité? Comment tu fais pour saisir cette opportunité? Si jamais tu n'es pas prêt. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas dans le process de commence, lance ton business, fais quelque chose en fait. Tu ne peux pas être là sans rien faire. Parce que plus tu vas faire des choses, plus tu vas prendre de l'expérience dans ce que tu fais, plus tu vas être bon et plus du coup, ce que tu appelles la chance ou les opportunités, bah, c'est même pas qu'elles n'existaient pas avant, c'est que de toute façon, tu n'auras pas pu les saisir les opportunités. Donc, tu vas plus les voir quand tu vas commencer à faire des choses et du coup, ça va créer des opportunités pour toi et parce que tu seras prêt du coup à pouvoir les saisir. C'est aussi simple que ça, je sais pas, si jamais tu vas en détection mais tu es éclaté au sol au foot, tu vas pas pouvoir la saisir. Même s'il y a le meilleur détecteur du monde qui, à chaque fois, lui détecte toujours les bons éléments, tu joues devant lui, mais si jamais tu n'es pas prêt. Et ça, j'ai noté ça, je me suis dit, en fait, le gars, il était prêt, en fait. En fait, il s'est préparé toute sa life pour pouvoir être prêt le jour où il y aura une opportunité et qu'il puisse la saisir. Et c'est même pas genre, il attendait comme ça. Il provoquait les opportunités. Il allait dans les bureaux, il rappait pour tout le monde, il essaie de tout faire pour pouvoir créer une opportunité. Lui, il s'est vraiment créé sa propre opportunité, tu vois. Et autre chose que j'ai noté aussi, c'est un plan. Il a toujours su que voilà, il allait faire beatmaker, après il allait faire rappeur, après il allait se mettre dans la mode. Il s'est dit, voilà, je vais chanter. Je ne sais pas comment il savait tout ça, en fait. comment il a fait pour avoir tout ce truc de vision? Ah, c'est peut-être sa mère. Mais comment il a fait pour avoir cette vision? Comment il a fait pour savoir qu'il faut qu'il rappe pour être mainstream et que du coup, après avoir assez d'influence pour pouvoir lancer sa propre marque qui serait susceptible du coup de marcher puisque du coup, t'es famous, tu vois? Comment il a fait pour être aussi intelligent financièrement direct comme ça, tu vois? En tout cas, il avait un plan. Bref, pour revenir au point que je voulais aborder, il avait un plan. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Et tu le vois dans sa biographie, tout s'est enchaîné. Il avait un plan, il savait. Il a galéré au début pour pouvoir sortir son premier album. C'était dur, malgré les tests signés, je t'ai dit, ça a pris 2 ans. Et ils ont ouvert le budget parce qu'il a fait le forcing, genre,
il a fait une propre vidéo qui a fait un buzz sur un son qu'il voulait mettre sur son album, sur un de ses sons. Et c'est pour ça, gars. Il a tout fait tout seul, il a allé chercher les choristes, les machins, il s'est débrouillé tout seul en fait, il l'a fait. Et quand ça a buzzé, Rockefeller a dit, ah, oh, vas-y, on va ouvrir un truc, un budget board. Et même au niveau des meufs, tiens, on va en parler, tiens, ça. Tu le vois, tu vois, c'est encore un autre parallèle, parce que souvent j'en parle dans les vidéos, tu le vois, genre, c'est plus il a pris du statut. À partir du moment où il a commencé à prendre du statut, là il a commencé à fréquenter des meufs super énervées, genre Amber Rose à son pic. Par exemple, Amber Rose à son pic, pour moi on est au maximum. Pour moi, après ça c'est mes goûts, pour moi on est au max. Amber Rose à son pic, je sais pas qui tu trouves de mieux, mais moi je suis curieux de savoir qui tu trouves mieux quand Amber Rose est à son pic, qui tu trouves qui est mieux, qu'est-ce qui est au-dessus. Donc, mets-moi en commentaire, je serais curieux de voir qu'est-ce que tu en penses. Et du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Pareil, tu vois, ça a changé sa vie, frère. Il a tout prévu, il est monté en statut. Parce que quand il était beatmaker, tonton Amber Rose, elle le voyait même pas. Même s'il était signé chez Rockefeller, il rappait pas forcément, enfin, il avait pas de l'album, elle le voyait pas. C'est quand après, il a tout pété, son statut lui a augmenté, boum, il a commencé à accéder voilà, à des Amber Rose, voilà, plus d'autres mannequins, tout ça. Mais bon, Amber Rose, c'est celui qui m'a vraiment marqué. Et après Kim Kardashian, qui reste quand même une femme, même si elle a fait une sextape, qui reste quand même une bonasse dans tous les cas. Voilà. Mais s'il n'était pas devenu qui il a toujours voulu devenir, il n'aurait jamais pu accéder à ce genre de femme. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est cadeau, je sais que tu aimes ça. Et puis après, l'évidence même, hein, il travaillait comme un ouf. Hein. Voilà, qu'on soit clair. Il travaillait comme un ouf. Il était toujours positif. Quand il a fait son accident, il a dit « je vais transformer cette… » parce qu'il a frôlé la mort quand même. Je vais transformer cette galère en victoire. Tu vois, il a même fait un son. Un son où il n'arrivait même pas bien à articuler parce que sa mâchoire, il avait un problème. Ok. Donc ça, c'est pour tous les gens qui aiment bien chialer. Ah oui, j'ai des galères, etc., etc. Transforme tes galères en victoire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, mais mettez un peu de respect quand même sur cet homme, même si c'est un ouf. Son parcours, gars, faut respecter cet homme quand même. Respecter cet homme, déjà pour ce qu'il a apporté dans la culture, dans la musique, et le fait qu'il soit milliardaire, c'est le fait de se donner aucune limite, et même si toute personne croit en toi, d'avoir une confiance de malade pour pouvoir faire tout, gars. Le gars, il est parti de rien, il a fait beatmaker, rappeur, après il a fait un album audio avec Jay-Z, gars. Non. Après, derrière, il fait des lignes de vêtements. Parce qu'au début, il s'est fait défoncer, j'ai vu ça. Première ligne de vêtements qu'il a fait, la Yeezy, je sais pas quoi, il s'est fait défoncer par la critique. Il a continué, nanani, nanana, après il a tout déchiré, il est devenu milliardaire. Non, les gars, faut respecter cet homme quand même. On peut faire des blagues, hein, je fais des blagues, il fait le bêta, tout ça avec Kim, mais quand même, faut respecter cet homme quand même. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ok, qui permettra d'atteindre les 5K par mois. Cette formation est 100% financée, ok, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, il ne va rien se passer.